petit Pancho, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation non pas d'un yaoi mais de deux yaoi qui sont tout simplement du même mangaka, donc je te mets son nom ici. Je tiens à insister avant de commencer cette vidéo que officiellement sur le site Manga News ils sont conseillés 16 ans et plus, mais après les avoir lus je peux te dire qu'on peut le classer 14 ans et plus, tout simplement parce que nous ne voyons pas vraiment de scène de lit. On aperçoit quelques petits détails mais on ne voit rien d'image choquante, on ne voit pas image bien lourde, bien sexe, etc. On voit qu'ils le font, on aperçoit des petits bouts, des débuts, mais on ne voit rien vraiment de choquant. Donc 14+, ça passe. Donc du coup on commence par le manga le plus ancien. Alors je sais plus si c'est le dernier, enfin le premier des mangas de l'auteur. Par rapport à ce qui est disponible en France. D'ailleurs l'auteur a écrit d'autres histoires, donc je te mettrai une photo. Donc en ce qui concerne Café Latte, donc c'est un manga qui date de 2008 au Japon et de 2009 en France. En ce qui concerne la couverture, les couvertures des deux histoires, je tiens juste à le dire en même temps parce qu'il y a des détails que même en te montrant de très très près, je pense pas que tu verrais. Je vais essayer tout à l'heure de faire des zooms en fin de vidéo, mais je pense pas qu'on verra les détails. Mais c'est une tuerie et franchement j'adore, j'adore, j'adore. En ce qui concerne l'arrière, ce que j'aime bien c'est que c'est simple, c'est soft. Et surtout on a du coup le fameux café latte qui est dessiné. Donc ça je trouve ça plutôt sympa avec le petit résumé, le logo, point barre, j'adore. En ce qui concerne du coup, je pensais du coup, je sais pas si ça intéresse vraiment à chaque fois les parties là, je sais pas comment ça s'appelle en plus. Donc là on a juste des informations du coup sur l'auteur et là on a la pub de trois autres yaoi des éditions Taifu. Donc on a les larmes d'ange, Wild Rock et Stupid Story. Donc Stupid Story il me tend très bien, donc s'il y en a qui connaissent ces séries, je veux bien votre avis et me dire justement si ça vous intéresse aussi d'avoir le mien. Et en ce qui concerne la couverture intérieure, on n'a rien de particulier, voilà. Et on a une image couleur, mais franchement, j'en suis pas dingue. Voilà, comme ça. Hop. J'en suis pas dingue du tout. Donc en ce qui concerne mon avis sur le manga Café Latte, donc je tiens à dire que les deux séries, c'est la deuxième fois que je les relis, tout simplement parce qu'il y a 2 ans je les avais lues et présentées sur cette chaîne. Malheureusement les vidéos, comme c'était les premières, elles n'étaient pas terribles, donc j'ai préféré les refaire pour avoir ma qualité actuelle, on va dire. Donc en ce qui concerne Café Latte, en ce qui concerne les dessins, je les adore, je les aime bien, voilà. Et, bon, ils sont pas magnifiques comme certains mangas récents que j'ai pu lire, comme L'Homme Mission qui était vraiment magnifique, mais j'aime. Comme si les séries ont un seul tome, bah, ça passe aussi plus facilement. Je tiens à dire par contre aussi que cette série de A à Z, on a la même histoire, on n'a pas deux histoires, on n'a pas trois histoires dans le même bouquin, non, non. De A à Z, on a une seule et unique histoire, donc ça je sais que c'est très important pour beaucoup d'entre vous comme pour moi, donc je tiens à le dire. En ce qui concerne l'histoire, j'ai adoré tout simplement parce que du coup on va retrouver un personnage super grand qui fait peur en première apparence, mais au final on se rend compte que les apparences sont plutôt trompeuses et que en fait c'est un amour sur pattes. Et ça j'aime beaucoup parce que ça fait passer mine de rien un message dans ce manga qu'il faut arrêter de juger les gens sur leur apparence. J'adore aussi parce que justement la personne plus âgée est plus petite et ça je trouve ça aussi plutôt sympa. Donc ça j'ai vraiment adoré, l'histoire est toute mignonne. Ce n'est pas non plus trop, on va dire, cucu la praline, c'est plutôt fun. Et en plus l'histoire, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, se passe sur pas un court temps mais plusieurs mois voire peut-être une année, parce qu'on voit clairement à un moment au niveau du passage qu'ils le disent eux-mêmes que ça fait pas mal de temps qu'ils sont ensemble, donc je trouve ça plutôt sympa. Donc pour le manga Jusqu'au coin de la rue, je vais te mettre les dates en France et au Japon parce que au Japon il me semble que c'est en 2009 qu'il est sorti, mais pour la date en France je m'en rappelle plus du tout. Je tiens à dire que pour ce manga, une fois de plus de A à Z, on a la même histoire, donc une fois de plus c'est le top. En ce qui concerne la couverture, bien qu'elle soit chargée par rapport à ce que j'aime de base, l'image reste encore une fois magnifique, l'image reste sublime, l'image reste à voir de très près. Vraiment à regarder dans les moindres détails, je trouve ça juste sublime. En ce qui concerne la tranche aussi, elle est plutôt sympa parce qu'elle reste dans les mêmes couleurs, le jaune violet qui est repris là. Donc quand on enlève, on a une fois de plus là juste des informations sur l'auteur, de l'autre côté on a
encore les pubs. Donc on a la pub pour Café Latte, on a la pub pour Will Rock et les Lames d'Ange, plus Stupid Story et Love Mode. Love Mode, c'est vraiment pas un yaoi, par contre des éditions Taifu qui me fait de l'œil, pas du tout. Donc voilà, je tiens à le dire. Et quand on enlève, là aussi cette fois-ci on se retrouve... Ah, je vais pas montrer l'arrière, pardon. Donc l'arrière reste soft comme l'autre. Et donc là, une fois de plus, on retrouve exactement les mêmes choses. Donc pas de surprise. Par contre, cette image là, cette fois-ci, est un peu plus jolie. Donc normalement, elle se présente comme ceci. Voilà. Celle-ci, je la trouve bien plus jolie, bien plus travaillée que l'autre. L'autre, franchement, il n'y aurait pas eu d'image couleur, ça m'aurait pas gêné. Donc le manga Jusqu'au coin de la rue, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le dis au cas où, parce que comme j'aurais mis dans la ligne du temps des barres pour montrer la séparation, au cas où que ça intéresse pas du tout mon avis sur le manga Café Latte. En ce qui concerne le manga Jusqu'au coin de la rue, c'est la deuxième fois que je le relis, c'est la deuxième fois que c'est un coup de cœur. Donc c'est vraiment une histoire que j'aime par rapport à son sujet, la différence d'âge, la réaction, la distance, les problèmes de la relation, etc. J'ai vraiment aimé, j'ai bien aimé aussi le fait que justement, quand les deux personnages se rencontrent au départ, ils ne se connaissent pas du tout, parce que justement c'est comme ça que leur relation au départ, elle marche, parce que ce n'est qu'au départ que des plans sexe, plus pour se défouler, pour se calmer, pour avoir une personne qui ne connaissent pas, à qui parler. Et j'ai vraiment aimé l'idée en soi, j'ai vraiment aimé l'histoire, j'ai aussi adoré le dessin. Donc voilà, et je tiens à dire aussi vraiment que c'est... j'ai du mal à expliquer mon avis sur ces deux histoires, mais je tiens vraiment à insister sur le fait que ça soit des coups de cœur. Et que même après l'avoir lu deux ans plus tard, ça reste des coups de cœur. Donc c'est vraiment que les histoires sont en tout cas géniales pour moi. Donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Je suis désolée pour mon avis qui est peut-être maladroit. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve aussi très prochainement pour de nouveaux yaoi. Et normalement c'est encore un manga des éditions Taifu. Hey, no, no, no.